Nous allons prendre la parole du Seigneur dans les Épîtres, l'Évangile de Saint-Luc, le chapitre 18. Et nous allons aussi prendre le verset 18. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dérouleras point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire et qui peut être sauvé. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse à l'étude de sa parole. Amen. Nous allons écouter ça en anglais, non? Luke 18:18, a certain ruler asked him, saying, God, good master, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why thou callest me good? None is good save God, save one, that is God. Thou knowest the commandment, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor thy father and thy mother. And he said, all this have I kept from my youth up. Now, when Jesus heard this thing, he said unto him, yet lackest thou one thing, sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come follow me. And when he heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? For it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man to enter the kingdom of God. And they that heard it said, who then shall be saved? And he said, the things which are impossible with men are possible with God. Amen. Amen. Seigneur Dieu, Lord God, nous venons de lire ta parole. We just read your words. Elle est esprit et vie. And it is spirit and life. Maintenant, nous t'invitons now we invite you de nous donner la vie qui est cachée give dans us the hidden life in the world. Ôte l'homme du chemin. Amen. Remove man from the way. Ôte, Seigneur Dieu, tout esprit contraire à toi. Circoncis les lèvres et le cœur de l'orateur. Et parle à ton peuple. En sorte qu'en sortant d'ici, Seigneur, nous puissions voir la vie. Et la vie en abondance. Parce que toi, tu es vie, Seigneur. Et la vie a été manifestée. Et nous la recevons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que Dieu le bénisse. Nous voyons dans cette écriture, c'est une écriture que nous avons l'habitude de lire. It's a scripture that we read. Amen. Mais chaque jour, nous savons que Dieu ajoute une grâce à ce qui est lu. Amen. But we know that each day God adds a grace in what is read. Amen. Parce que les paroles du Seigneur. Because the word of the Lord sont esprit et vie. A spirit and life. Et nous savons que ce jeune homme you know that this young était riche. Is rich. Et un jour, and one day, il vint vers le Seigneur he came to the Lord parce qu'il avait un besoin dans son cœur. Because he had a need in his heart. Et le besoin de son cœur, and his heart's need, ce qu'il sentait qu'il n'avait pas la vie en lui-même, was that he felt that he didn't have life in himself. Malgré qu'il était riche, despite the fact that he was rich, malgré qu'il respectait les commandements, despite the fact that he respected the commandment, amen. Amen. Mais au fond de lui quand même, deep within himself, il a senti qu'il avait un manque. He felt that he was lacking something. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il vint rencontrer le Seigneur. That's how il vint rencontrer le Seigneur. He came to meet with the Lord. Et lui posa la question de savoir, asked him this question to know, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répondit, and Jesus answered, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Why thou calling me good? Il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. None is good save one, that is God. Cette réaction du Seigneur, and this reaction of the ça donne l'impression comme si le Seigneur n'est pas bon, n'est pas bon. It's giving the impression as if the Lord is not good. Amen. Ça donne l'impression comme si le Seigneur Jésus n'est pas digne d'être bon. As if the Lord is not worthy to be good. Puisqu'il dit, oh, je m'en riche, mais attends, pourquoi m'appelles-tu bon? Why do you call me good? Mais il n'y a qu'un seul qui soit bon, it's c'est Dieu. God. Mais en fait, là, le Seigneur parlait en tant qu'un serviteur. The Lord was speaking as a servant. Donc en tant que serviteur, as a servant, c'est Dieu seul qui est bon. It's only God who is good. Rappelez-vous que sur la terre, remember that le Seigneur Jésus était homme aussi. The Lord was also a man. Et étant homme, being a man, c'était Dieu au service des hommes. It was God a serving man. Pour sauver. Alors par rapport à cette fonction-là, according to that function, il donne la gloire à Dieu. That office, amen. Give the glory to God. Amen. Amen. Alors nous voyons le même de Jésus and we see the same Jesus dans Jean chapitre 10. In John chapter 10. Là-bas maintenant, il parle comme le pasteur. He speak as a pastor. Il dit, je suis le bon berger. He say, I am a good shepherd. Vous comprenez ça? Amen. En tant que pasteur, dans ce contexte-là, c'est un bon berger. Mais en tant que serviteur, parce qu'il devait monter à la croix et être sacrifié, donc c'est Dieu, la fonction de Dieu est bon. Amen. Là, c'est Jésus homme qui parle. Et il dit à l'homme riche, mais il n'y a que Dieu qui soit bon. Donc là, c'est Jésus serviteur. Au service de la mort. Rappelez-vous que à sa naissance, les mages qui étaient venus d'Orient, the wise men who came, qui avaient vu son étoile, and who have seen the star, ils sont venus avec l'or, with gold, l'encens and the incense, et la myrrhe. L'or, c'est la divinité. L'encens, c'est pour le service. And the frankincense is for the service. Amen. Amen. Et la myrrhe symbolise la mort. Myrrhe symbolise death. Donc Dieu au service de la mort. God in the service of death. Donc quand il était sur terre, when he was on earth, il est venu, he came, au service de la mort. To the service of death. Amen. Amen. Et là il était serviteur. And there he was a servant. C'est comme ça qu'il a pu dire à cet homme. That's why he could say to this man. Et pourquoi m'appelles-tu bon? Why do you call me good? Il n'y a qu'un seul qui soit bon. Only one who is good. C'est Dieu. It's God. Mais dans Jean chapitre 10. In John chapter 10. Là, il est pasteur. Amen. Et il dit, je suis le bon berger. He said, I am a good shepherd. Et le bon berger donne sa vie pour. Gives his life
ses brebis. Amen. Et nous continuons pour lire. Nous sommes au verset 20. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point adultère. Tu ne tueras point. Tu ne dérogeras point. Tu ne diras point de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. J'ai dit, dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. And he said, all this have I kept from my youth up. Remarquez que ici, notice that here, lui, il veut avoir la vie éternelle. He wants eternal life. Mais Jésus le renvoie à la loi. And Jesus is sending him back to the law. Il dit, mais attends, tu connais quand même la loi. He said, you know the law. Si tu respectes les commandements, if you respect the commandments, mais tu auras la vie. You shall have life. Donc, pratique seulement ce commandement. So, practice the commandment. Alors, l'homme riche dit non. And the young rich ruler said, il dit ces choses-là. Mais je fais ça debout, ma jeunesse. Vous voyez, il avait le bon sens. He had a good sense. Il était bien éduqué. He was well educated. Ses parents l'ont montré le chemin du Seigneur. His parents showed him the way of the Lord. Remarquez qu'il était jeune. Notice that he was young. Il était déjà riche. He was already rich. Certainement. Certainly. Il a hérité ça de ses parents. He had a heritage from his parents. Ils l'ont envoyé dans les bonnes écoles, certainement. They sent him in good school. Ils l'ont bien préparé. They prepared him very well. Donc, il ne pouvait rien manquer là où il était. So that he lacked of nothing. C'est pourquoi il pouvait dire au Seigneur, mais non. That's how he would say to the Lord, no. J'ai observé ça. I've observed this commandment. Donc, pour moi, ça là, for me, this, ce n'est plus efficace, quoi. Donc, I'm not strong enough. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. Et le chrétien dit, and the scripture says, Jésus ayant entendu cela, lui dit, Jesus say, il te manque encore une chose. Lack of one thing. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Yet lackest thou one thing, sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come follow me. Amen. Amen. Ce monsieur, this man, a démontré au Seigneur qu'il observait la loi. Showed to the Lord that he was following the law. Qu'il respectait la loi. That he was respecting the law. Il était loyal. Il était digne d'être le fils de son père. To be the son of his father. Un citoyen correct. A correct citizen. Qui respecte vraiment les commandements de Dieu. Who respect the commandment of the Lord. Et de l'État. God and of the state. Donc, pour lui. But for him, il n'avait plus besoin de faire ça parce qu'il le faisait déjà. He did not need to do this commandment because he was doing them already. Il voulait quelque chose de nouveau. He needed something new. Il voulait sortir de cette routine. He wanted to come out of the routine. Mais il y avait une raison. But there was a reason. C'est que avec tout ça, because with all this, il sentait au fond de lui, he still felt deep within qu'il himself, n'avait pas la vie. That he did not have life. Malgré qu'il respectait les commandements, il n'avait aucune vie en lui. He had no life in him. Et il le sentait. And he felt it. C'est pour ça qu'il est venu vers Jésus. That's why he came to Jesus. Il sentait que was feeling that cet homme this man a quelque chose de différent. Something different. Cet homme a quelque chose que je n'ai pas. This man have something that I don't have. Peut-être qu'en lui posant cette question, maybe asking him this question, j'aurai la vie. Peut-être qu'il va m'enseigner comment maybe avoir la vie. He will teach me how to have life. Parce qu'il sentait quand même because he was feeling qu'il manquait quelque chose. That he lack of something. Ça, c'est notre Dieu. This is our God. Dans la vie de tous les jours, in our everyday life, il faut qu'il y ait la différence. It must be a difference. Si nous faisons tout comme tout le monde, if we do everything just as everyone else, nous serons comme tout le monde. You be just as everyone else. Mais il faut qu'il y ait quelque chose en or vous should be something of qui vous différencie de tout le monde. That's different. That makes you different than all the others. Et c'est ça ce que l'épouse est. This is what the bride is. Parce que l'époux était différent du système. Because the bridegroom is different from the system. Quand Jésus était sur terre, when Jesus was on earth, il n'était pas comme tout le monde. He was not just like anyone else. Amen. Amen. Il y avait des pharisiens.
Il y avait les Sadducéens. Amen. Il y avait ceux qui suivaient la loi de Moïse et la tradition des anciens. Il y avait plusieurs écoles de pensée. So many school of thought. Amen. Mais Jésus est venu avec tout ça. With all this, lui aussi, il observait la même loi. Was observing the same law. Lui aussi partait au temple. He was also going to the temple. Amen. Lui aussi, il observait le sabbat. He also was observing the Sabbath. Mais il était différent. He was different. C'est ça ce qui a fait de lui. That's what made him. Amen. Amen. Ennemi du monde. Ce n'est pas qu'il voulait être ennemi du monde, because he wanted to become enemy of mais God. Le monde a fait de lui son ennemi. The world made of him their enemy. Amen. Amen. Parce qu'on trouvait en lui quelque chose de différent de tout le monde. That was different from all of il pratiquait tout ce que la loi disait. He was practicing all that the law said. Il était différent. But he was different. Amen. Amen. Qu'est-ce qui faisait qu'il soit différent? What made him different? C'était sa vie. Was his life. Il avait une vie he had a life qui était manifestée that was manifested par l'amour du prochain. From the love of the c'est ça la différence. That was the difference. Vous pouvez avoir les diplômes dans votre vie. You may have qualification in your life. Amen. Amen. Mais il faut que dans vos qualifications, là, in your qualification, qu'il y ait une différence. Qu'il y ait quelque chose qui vous différencie something des autres. That will make you different than the others. Amen. Amen. Notre Dieu, our God, c'est un Dieu de la différence. God of difference. Amen. Amen. Nous pouvons tous avoir le même âge. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui vous différencie des gens de ton âge. That will make you different from the people of your age. Amen. Amen. Vous pouvez être pareil. You may be the same. Mais vous devez être différent. You should be different. Donc ça veut dire pareil n'est pas pareil. Meaning you look maybe same but not really the same. Vous remarquerez que dans là où il y a 1000 personnes, you will notice that where you can find 1000 people. Chacun a son visage. Yeah, everyone has his own face. Ça c'est ce qui fait de Dieu. That's what make of God. Un meilleur créateur. A best creator. Ça c'est ce qui fait de Dieu. That's what make of God. Qu'il est parfait dans ce qu'il fait. That he is perfect in what he does. Amen. Amen. Parce qu'il y a la différence. Because there is a difference. Entre ce que Dieu fait. Between what God does. Et ce que l'homme fait. And what man do. Et notre Dieu. And our God. À travers Jésus Christ. Through Jesus Christ. Veut que nous aussi. Nous puissions avoir cette différence dans tout ce que nous faisons. In all that we do. Parce que nous sommes un peuple spécial. Because we are a peculiar nous ne sommes pas comme tout le monde. No. We are not just like ce n'est pas parce que nous ne voulons pas être comme tout le monde. It is not because we do not want to mais be just notre like Dieu our God a fait de nous un peuple spécial. Made of us a different, a special people. L'Écriture dit the scriptures il a fait de nous he has made un royaume de sacrificateurs. Amen. Donc c'est ça qui fait la différence. That is what made the difference. L'épouse, elle est différente. The bride is different. Parce que l'époux est différent. Because the bride is different. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle ce temps est venu vers Jésus. This man came to Jesus. Parce qu'il voyait en lui cette différence-là. In him. Il a été chez les Sadducéens. Il a été chez les Pharisiens. He went to the Pharisees. Amen. Amen. Il a remarqué. Mais il s'est rendu compte. Cet homme a quelque chose de différent. That this man has something which is different. C'est pourquoi il dit bon maître. That's why he called him good master. Parce qu'il a reconnu. Because he recognized la différence. The difference. Il a reconnu he recognized la grâce de Dieu dans la vie de cet homme. The grace of God in the life of this man. Amen. Amen. Mais nous écoutons la conversation, nous voyons que l'Écriture nous montre que Jésus lui dit, il te manque quand même quelque chose. He listened to the scripture. Jesus said to him, il te manque something. Quelque chose. Amen. Le verset 22. That lacks nothing. Le verset 22, nous le réalisons. Jésus ayant entendu cela, lui dit. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Amen.
Ça ne s'arrête pas là. Il lui dit, puis viens et suis-moi. Now when Jesus heard these things, he said unto him, yet lackest thou one thing, sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come follow me. Amen. Mais nous allons voir sa réaction. And we see his reaction. Remarquez que il est venu, c'est lui qui est venu. He's the one who came. Amen. Amen. Il est venu. He came. Il a fait des éloges au Seigneur. Tu es bon, tu es ici. Mais give praise to the Lord, you are good, you are this and that. Mais quand le Seigneur lui donne la réponse, il dit bon. Now when the Lord gives him the answer, tu sais, c'est bien tout ce que tu as dit là. Of what he just said, well, all that you've done was good. Mais la raison pour laquelle tu n'as pas la vie éternelle. Or the reason why you do not have eternal life. Ce sont tes biens. Is those your wealth? Donc vends ça. Sell those things. Donne ça aux pauvres. And give to the poor. Parce que c'est ça le problème en fait. But these are the problems. Vends ça. Donne ça aux pauvres. Give to the poor. Reviens et suis-moi. And now come and follow me. Mais écoutez sa réaction. And listen to his reaction. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Amen. Amen. Car il était très riche. And when he heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. Amen. Amen. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, how happy shall they that have riches enter into the kingdom of God? Amen. Amen. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Because it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man to enter the kingdom of God. Cet homme est devenu tout triste. This man become too all sorrowful. Parce que le point faible de son cœur. Because the weakness of his heart a été touché. Was touched. C'est ça la différence. That's the difference. Nous pouvons tous parler. We can all speak. Amen. Amen. Mais lorsque Dieu parle, when God speaks, il touche ton cœur. He touch your heart. Il n'y a personne qui peut toucher ton cœur comme Dieu. No one who can touch your heart as God. Alors c'est en touchant ton cœur là, it is in touching your heart, qu'il veut te faire grâce. That he wants to grant you grace. Mais cet homme n'a pas saisi l'opportunité. And this man did not grasp the opportunity. Parce que son cœur était corrompu. Because his heart was corrupted. Et la corruption aujourd'hui, and corruption nowadays, ce n'est pas seulement avoir les richesses. Not only having riches, mais c'est toutes choses que nous donnons plus de valeur dans notre vie. All things that we give more value in our life. Ça peut être ton téléphone. Amen. It may be your phone. Vous voyez, il y a des gens, see, there are people, surtout aujourd'hui, dans l'âge de vivant, la technologie est tellement avancée que technology is so well advanced. Les gens ne peuvent plus s'en passer du téléphone. People can no longer live without the phone. C'est une bonne chose. It's a good thing. Amen. Amen. Parce que ça nous permet d'être informés, ça nous permet de connaître tout ce qui se passe dans le monde. On a des réseaux comme WhatsApp, on peut envoyer des messages et tout ça. And you have things like, you know, social networks such as WhatsApp and all these. Messenger, Facebook, Twitter, tout ça. Imo aussi. All of Stagia, toutes ces choses-là, c'est bon. They're good. Amen. Amen. Mais bon, ça ne doit pas corrompre le cœur. Ça ne doit pas être un must. Ça veut dire que je dois. Amen. This shouldn't become a mask. Je dois faire ceci. Je dois avoir ça. Je dois avoir ceci. Amen. Vous voyez parfois, vous dites des choses importantes, les gens sont sur leur téléphone. Yeah, you see, sometimes you say something important, but people are just on the phone. Ou sur leur tablette. Or on their tablets. Donc le monde est numérique. And the world becomes numérique. Tout devient à côté. Tout passe and par ça. Everything just go through it. Vous voyez, vous parlez avec quelqu'un. You speak to someone. Ouais. He listens to you just slightly, and he's on. Et là, il y a beaucoup de choses qui se font. And there are so many things happening. Il y a des gens qui vont dans ces réseaux. And some people go to those networks. C'est par exemple, si vous êtes marié, vous avez une femme ou tout, il y a des couples qui se font là en ligne là.
and online people from couples. Exactement. Vous voyez, aujourd'hui, l'adultère n'est plus dans la rue. Adultery is no longer. Mais non, l'adultère est venu en ligne. La séduction est venue en ligne. Seduction is online. À partir des photos de Facebook, à partir des pictures, on peut se communiquer facilement. And people can communicate easily. Et là, voilà, on est tous là, braqués dans ça. Tous, on est dans ce système. Comprenez ce que le frère veut dire. And listen to what Brother Lee says. Je ne dis pas qu'avoir le téléphone c'est une mauvaise chose. He's not saying that having telephone is a bad thing. Mais je veux parler de la corruption. He wants to show you the corruption. En ce temps-là, cet homme, c'était la richesse. And this man in those days was riches. Amen. Wealth. Sa richesse ne lui a pas permis his wealth was not allowing him d'écouter la paix du Seigneur. Vends. Vends tout ce que tu as comme richesse. To sell all of his riches. Viens et suis-moi. And come and follow him. Mais lui, il était triste dans son cœur après avoir entendu ça. In his heart when he heard it. Parce que son cœur était corrompu. Was corrupted. Parce que son cœur était lié à ces choses-là. Because his heart was hanging on. Maintenant, nous prenons cet exemple. And we take it. Nous emmenons ça dans notre monde moderne. We take it in our modern world. Aujourd'hui, ce n'est plus l'argent. And nowadays is no longer money. Mais nous avons beaucoup de choses qui nous lient avec le monde. Que nous, on est plus liés avec notre téléphone. We are more tied up with our phone. Qu'avec nos frères et sœurs. Qu'avec nos femmes. Than with avec our wives, nos maris, husbands, avec and nos enfants, and children, avec notre travail, and our work. On est là tout le temps, mais c'est quoi? We are all put and dead. Vous voyez, il y a quelque chose en fait. Il y a comme une énergie, une force. An energy, a power. Amen. Amen. Qui nous lie à ça. That is linking us to this. Alors, ça fait en sorte que si on ne fait pas attention, and this, if we're not careful, amen. On devient corrompu de cœur par rapport à ça. Le jour où on va vous enlever ça, vous serez triste. Vous vous dites, non, je ne peux pas vivre sans téléphone. Mais comment au 21e siècle? Je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre quand même sans WhatsApp, sans Facebook. Ce n'est pas une obligation. This is not an obligation. D'avoir ces choses-là. To have these things. C'est juste un moyen de communication. Just a mean of communication. Mais non, ça dépend de comment vous utilisez ça. Now it depends on how you use it. Si vous utilisez cela pour la communication, c'est if une bonne use chose. It for communication, si vous utilisez cela pour les bonnes choses, c'est une bonne use chose. It for good causes. Mais si ça devient un piège pour vous, if this become a trap for you, amen. C'est un problème. It is a problem. Le Seigneur va vous demander à vous aussi de s'éloigner de ça. We ask you also to get away from this. En fait, de contrôler cela and to put the other et de faire la différence. And to make a difference. Nous sommes un peuple spécial. We are peculiar people, special people. Et nous devons faire la différence. And we must make the difference. Nous devons marquer notre temps sur la terre. Have to, you know, mark our time on earth. Comment vivre la vie de Jésus? The life of Jesus. Quelle était la vie de Jésus? How was the life of Jesus? Donner l'amour. Giving love. Donner l'amour tout le temps. Et c'est ce qu'il voulait enseigner à ce monsieur. This is what he was showing to this man. Amen. Teaching him. Va vendre tout ce que tu as. Go and sell all that you have. Viens après et suis-moi. Come and follow me. L'Écriture dit qu'il était très triste. The man became very sorrowful. Parce qu'il avait de grands biens. Because he had great wealth. Alors aujourd'hui, les grands biens, nowadays, the great wealth, c'est tout ce qui nous lie avec all that is linking us to the world. Si ce n'est pas l'argent, ça peut être ton téléphone, comme je l'ai dit. It may be your phone. Ça peut être ta page Facebook. It may be your Facebook page. Ou ton WhatsApp. Or your WhatsApp. Parce que c'est là que tu as des rendez-vous. It is where you have all those your meetings. Par exemple, vous voyez, il y a des gens qui sont mariés. You see some married couples. Mais là en ligne, ils sont en train de chercher d'autres femmes. Là en utilisant Facebook, voilà. Facebook. Ou WhatsApp. Or WhatsApp. Et puis, voilà. Ou si tu es par exemple une femme.
C'est là que tu apprécies d'autres hommes. Voilà. That's why you're looking for other men. Oh, le gars là, il est beau, hein. And you're appreciating them. Oh, this man is. C'est, ça se passe entre toi, toi et ton téléphone. And this happened between you and your phone. Personne ne te voit. And no one is seeing you. Il se passe plein de trucs là. So many things happen in this. Amen. Amen. On rentre même dans certaines pages, ce que c'est pas bien. And some wicked pages in Facebook. Voyez-vous? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un cœur corrompu. This is not good because they have become corrupted. Parce qu'on a un cœur corrompu maintenant. Mm-hmm. Alors, le Seigneur veut aussi qu'on se sépare de tout ça. God also wants us to be separated from these things. Amen. Amen. Frère Bonhomme disait dans ses jours, il dit, si j'ai la télévision à la maison. Il dit, je vais enlever ça, je vais mettre une carabine sur ça pour dégager ça. Parce que c'est l'enfer dans ma maison. Because it will be hell in my house. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas suivre la télé. Non, plus sur la télé. Watch TV. Ceux qui n'ont pas bien compris le frère madame, ils ont enlevé la télévision à la maison. Non, frère madame vous l'a dit. Utilisez la télévision. Use TV. À bon essayant. Know how to use it in TV. Exactement. Comme aujourd'hui, l'internet nous permet de nous connecter. Par exemple, maintenant nous sommes. The net is helping us to be connected. Par exemple, maintenant nous sommes en train d'avoir une réunion et les gens nous suivent. Now we're having a meeting and people are following online. Ça c'est bien. Nous utilisons that's ça en bon essayant. Using it, putting it in good use. Maintenant ça devient un lieu de rendez-vous personnel avec d'autres femmes, d'autres maris. Now it becomes a place of a meeting. Avec women and men and things like un that. Lieu de rendez-vous, on va voir des films pas bien. A place of meeting where we watch some bad movies. Ou parfois vous voyez, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Or some people that don't sleep at night. Quand le téléphone sort, ou bien il y a un message qui fait pouf. Or a message who comes. Il doit prendre le téléphone pour regarder c'est qui. Take it and check who is it. Parce qu'il ne sait pas, peut-être que. Je n'ai pas envie que ma femme regarde ça. Je n'ai pas envie que mon mari regarde ça. Tout le sens. Donc il faut que. Et puis vous voyez, c'est des gens qui n'aiment pas que leur conjoint touche leur téléphone. And these people do not want their partner to touch their phone. Ou même les enfants. Si tu veux voir, pourquoi? Donne mon téléphone ici. Ils sont très rapides à récupérer le téléphone. Fast to take back their phone. Parce qu'il a peur qu'on découvre les pages dans lesquelles il va souvent. Discover what they normally watch. Ça, Dieu voit ça aussi. And God see all these things also. Parce qu'il y a la caméra de Dieu aussi qui est là. Because God's camera is there also. Et le jour du jugement, cette caméra sera là. The day of judgment, all this camera will be here. On va vous montrer aussi ce que vous faisiez. They will also show you what you were watching. Amen. C'est très important. Ça peut être ça. C'est ça aussi qui nous lie avec le monde. These are the things that link us with the world. Donc, le jeune homme riche, and this young rich man a manqué la vie éternelle à cause de sa richesse. Because of his riches. Le téléphone, Facebook, WhatsApp, si ce n'est pas bien utilisé, if it's not bien. Put in good use, si ce n'est pas bien utilisé, I'm saying if it's not put in good use, ne comprenez pas le fait Eric mal. Le fait est qu'il ne veut pas que les gens utilisent les social media. Ce n'est pas ce qu'on veut dire ici. Nous pouvons utiliser ces choses parce que c'est très important. Ça nous permet de communiquer et tout. Mais à bon essayant. Yes, à bon essayant. Ce n'est pas un endroit de rendez-vous. It is not a way of meeting. Amen. Amen. Ce n'est pas un endroit de gossiping. A place of gossip. Dès que vous avez une information sur quelqu'un, WhatsApp est déjà. WhatsApp est déjà parti. WhatsApp, you send it quickly. Voyez-vous, les vidéos, ce n'est pas un endroit pour faire des choses pareilles. It's not a place to do this kind of things. Si cela est là, ça montre que votre cœur est attaché à ces choses-là. And if
If so, that means your heart is attached to these things. Amen. Amen. Alors ce jeune homme, and this young man, comme nous venons de voir, as we just saw, était triste, was sorrowful, parce qu'on lui a demandé was asked de vendre ces choses-là. To sell his belongings. Vendre ces choses veut dire selling your abandonne ces choses-là. Abandonne cette richesse. En fait, c'est comme c'est une métaphore. It is just a figure of faith. Voilà, ça veut dire which means, laisse les mauvaises pratiques. Get rid of bad practices. Débarrasse-toi de bad ça. Habit, get rid of them. Viens et suis-moi. Parce que tu es venu vers moi. Because you came to me. Et tu veux avoir la vie. And you want to have life. Alors je te fais savoir. And I want you to know. Que avec ton incrédulité. That with your unbelief. Tu ne peux pas avoir la vie. You cannot have life. Donc il faut abandonner l'incrédulité. Therefore you must abandon your unbelief. Pour que tu aies la vie. So that c'est comme ça que le Seigneur a dit. And that's how the Lord nous devons renoncer à nous-mêmes. We have to renounce to ourselves. Amen. Mais nous savons une chose. But we know one thing. Renoncer à soi-même. To renounce yourself. Ça n'a jamais été chose facile. I've never been something that. C'est Dieu qui fait grâce. It is God that grants. Mais grace. Quand Dieu te parle, when God speaks, si tu crois, c'est-à-dire if you si believe, tu obéis, if you obey, ici si le jeune homme avait dit, ok. Amen. If this young ruler have said or rich man has said, okay, amen. 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 Et qu'il avait accepté de if suivre le Seigneur, to follow the Lord, il serait sauvé. You have been saved. Mais l'Écriture dit, what the scripture say, il était triste. He was sorrowful. Et il est parti. And he went away. Il a désobéi. He disobeyed à cette parole. To this word. C'est comme nous aussi ce soir. It is as us also. Quand on nous parle de notre téléphone. When they speak to us about our phone. Quand on nous parle de notre WhatsApp, de notre Facebook. Facebook. Amen. Mm. Les films que nous regardons. And those movies that we see. Parce qu'il y a des gens. Because there are people. Qui vont jusqu'à regarder des films pas bien. They even go up to see. Watching movies that are not good. Amen. Amen. Même pas bien pour eux-mêmes. Not even good for themselves. Ça, c'est pas intéressant. They're not interested. Amen. Amen. Et ça, on doit se séparer de ça. We on peut pas dire que on sera en éveil, on va aller au ciel un jour avec ces choses-là. We cannot Dieu voit ça. Go to heaven with all these things. Dieu voit ces choses. God see all these things. C'est très important. It's very important. Et si nous parlons à tout le monde, je vois que même les enfants sont concernés. Everybody, even the children are concerned. C'est très important parce que je vois que les enfants me suivent attentivement. Ça veut dire que children are following me attentively. Amen. Ça veut dire que ça vous concerne aussi. That means everyone is concerned. Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu. In the kingdom of God. Enfants. Papa, children, father, si tu atteins un âge if you reach a certain age de compréhension, of understanding, Dieu te donne la vie déjà. God already gives you life. À 12 ans, Jésus 12. Était au temple. When Jesus was 12, he was already at the temple. Amen. Amen. Nous avons des enfants qui ont plus de 12 ans ici. And we have children that are more than 12 years old. Ça veut dire que vous avez atteint l'âge de compréhension. That means they have already reached the year of understanding. Alors l'usage de votre téléphone, l'usage amen, des réseaux sociaux, social network, social network. Prenez ça avec beaucoup d'intelligence. Use them very wisely. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Because so many things happen in this. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de sortir dehors pour pécher. Today, you do not want to go out to sin. Même à la maison, des mauvaises pensées peuvent venir. In your house, you're at your own house. Bad thoughts may come. Et le téléphone, les portables, tout ça, je veux dire les tablettes, and these phones les and ordinateurs deviennent, and computers deviennent un moyen a way pour nous de tomber dans le péché into sin parce que nous sommes liés à ces choses-là. Because we are linked to these things. On ne contrôle pas ce qu'on fait. We do not control what we do. Et ça, Dieu voit ça. And God sees this. Est-ce que vous saisissez? Ça peut être un frein pour vous. This can be a break to you. Comme le jeune homme riche. As this young si on vous demande aujourd'hui if they ask you today, de laisser votre téléphone
abandon your phone. Amen. Vous serez triste. You'll be sad. Dieu ne veut pas que vous puissiez abandonner votre téléphone, votre tablette, tout ça. Ou l'internet. Mais utilisez ça à bon escient. Put it in good use. Mettez les prédications par exemple. Put sermon, for example. Les cantiques par exemple. And songs. Amen. Exhortez-vous. Vous pouvez écouter même la Bible avec le téléphone. Oui. Au lieu de rester là toute la journée en train de regarder des choses que tu ne dois pas regarder. Faites des rendez-vous en ligne avec des maris, des filles, ou avec des filles, ou avec des... Tout ça, ce n'est pas possible. Making some appointments with girls and men. Amen. Des messages que vous cachez, that you're hiding. Mais Dieu voit ce que vous cachez. God see what you're hiding. Dieu voit ça. You see all that. Amen. Amen. Donc le temps est arrivé aussi have qu'on renonce à ces choses par la grâce de Dieu. Amen. From these things. Si vous croyez que c'est le Seigneur qui vous parle, if you believe that the Lord is speaking to you, dites amen à ça. Say amen. 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 Vous aurez la vie. You shall have life. Que Dieu vous bénisse richement. Bientôt nous allons terminer. Nous voyons que le jeune homme était triste dans son cœur. Et il est parti. And he went. Et le Seigneur dit, and the Lord said, c'est Pierre qui est, les disciples sont venus pour lui poser la question. Il lui dit, mais comment le verset 25 ici, il dit, car 25, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Than for a rich man to enter into the kingdom of God. Ceux qui l'écoutaient dirent, et tu peux être sauvé. Who then can be saved? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. And he said, things which are impossible with men are possible with God. Vous voyez ici, c'est encore la différence. And you see here, it's the difference of ici, le Seigneur veut nous montrer que the Lord want to show us that si vous croyez la parole, if you believe the word, ce que vous pensez que c'est impossible, what you think is impossible, Dieu rend ça possible. God will make it possible. Amen. Amen. Parce que les voies de Dieu sont insondables. The ways of the Lord are unsearchable. Amen. Amen. Mais Dieu répond au cœur qui croit. God answer to the heart that believe. Le cœur qui est obéissant à la parole. Heart which is obedient to his word. Dieu rend ta foi possible. God à toute chose. Possible. Il te donne la vie. He gives you life. Et la vie en abondance. In abundance. Parce que tu crois. Because you believe. Amen. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Et c'est ça la différence. So this is the difference. Amen. Amen. Nous voyons plus tard. We see later on. Amen. Amen. Dans Luc 16. In Luke chapter 16. Il nous a parlé de l'histoire. He's spoken of the story. De Lazare. Of Lazarus. Et le riche. And the rich. Amen. Amen. À cause du temps, on ne va pas lire ça. And because of time, we'll read it. Amen. Amen. Vous pouvez commencer à lire ça à la maison à partir du verset 19. You may read it in verse, from verse 9. Il est parlé de la parabole de Lazare et l'homme riche. He's spoken of the parable of Lazarus and the rich man. Amen. Amen. Mais vous allez remarquer une chose. And you notice one thing. Lazare était pauvre. Lazarus was poor. L'homme riche aussi était plus riche. Was rich. Mais les deux sont morts. Both died. Ils se sont retrouvés au séjour des morts. And they found themselves in the kingdom of the dead. Mais l'homme riche, but the rich man, on ploie dans les tourments. He was in the torment. Il a reconnu Lazare. And he recognized Lazarus. Yeah, c'est le type qui venait manger chez moi là. He said, this is the man who used to come and eat in my house. Quand je jetais la nourriture à terre, c'était lui. He was the one. Mais là, je le vois dans le sein de Père Abraham. And now is in the Abraham's bosom. Et moi, je sens tout le souffrir ici. And I'm suffering here. Ah non, comme il mangeait quand même chez moi, il va se rappeler. Because he was eating in my house, he will remember. Lazare, Lazare. Lazarus, Lazarus. C'est ton ami, l'homme riche. It is your friend, the rich man. Pardon, trompe ton doigt. Tu vois ton doigt là, mets ça dans l'eau. Just dip it in water. On mène ça, je vais sous parce que la mort ici. So that I can just suck it. Parce que là où je suis en proie dans les tourments. I am in a great torment here. Il fait chaud ici, and c'est it's pas very possible. Hot here.
Au lieu que Lazare puisse lui répondre, instead of Lazarus answering him, c'est Abraham. It was Abraham. Abraham lui dit non. Ce que tu demandes là, c'est impossible. What you ask him there is impossible. D'ailleurs, entre vous et nous, il y a un abîme. And between you and I, there is a big deep. Ceux qui sont ici ne peuvent pas aller là-bas. Those who are here cannot cross. Et ceux qui sont là-bas ne peuvent pas. And those who are over there cannot cross here either. Toi, dans ta vie, in your life, tu as eu la chance. You had a chance. Le Seigneur t'a même parlé. The Lord even spoke to you. Va vendre tes biens, viens suivre. You sell your things and come and follow me. Mais tu n'as pas écouté. And you did not listen. Nous faisons juste un parallélisme. And we just want to compare. Amen. Nous ne disons pas que c'est le même riche, mais c'est un parallélisme. Ok. En parallèle, nous montrons. Just comparing a comparative thing. Amen. Toi, dans les jours de ta chair, tu étais bien. In the days of your flesh, you were all right. Jésus t'a même parlé. Jesus even spoke to you. Mais tu n'as pas écouté. Or you did not listen. Maintenant ici, or now here, Lazare est consolé. Amen. Lazarus is comforted. Et toi, tu es dans le tourment. And you are in torment. Parce qu'en fait, because in fact, la vie est un choix. Life is a choice. Et la vie éternelle aussi, c'est un choix. Amen. Eternal life also is a choice. Amen. Amen. Quand Dieu te donne grâce, when God grants you grace, il te dit choisis la vie. He said choose life. Si tu refuses de choisir la vie, if you refuse to choose life, tu préfères les plaisirs de ce monde. And you want the pleasure of this world. Des choses qui sont éphémères et qui passeront. Will pass away. Ce jour-là, ça sera la réalité. It shall be reality. Et ça sera difficile. And that will be difficult for you. L'homme riche en enfer, au séjour de mort, j'allais dire, il voulait devenir évangéliste là-bas. He wanted to become an evangelist. Il a dit non, tu you sais, know, you know, Père Abraham, Father Abraham, permet que je ressuscite ton corps. Allow that I resurrect. Parce que j'ai beaucoup de frères là. Because I have so many brothers. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. I don't want them to come here. Hein? On voit quand même quelqu'un parmi les morts qui là il veut parler. And he sent somebody from the dead to go and speak to them. Abraham dit non. Abraham said no. Ils ont Moïse. They have Moses. Ils ont les prophètes. They have the prophet of Abraham. S'ils n'ont pas écouté ces gens-là. If they do not listen to them. Même si un mort ressuscité, ils ne l'ont pas. Dead, the living dead goes to them, they will not listen. Amen. Amen. Alors n'attendons pas do not wait d'aller au séjour des morts to go to the kingdom of the dead pour reconnaître la grâce de Dieu. To recognize the grace of God. Pendant que nous vivons, while we still alive, amen. C'est maintenant que nous devons obéir à Dieu. Now that we must obey God. Et l'obéissance, and obedience, c'est tout ce que Dieu nous dit. It is all that God tells us to do. Nous le faisons. And we do. Dans cette histoire, nous retenons que Jésus voulait enseigner l'amour du prochain. We learn that Jesus wanted to teach the love of the neighbors to this man. Amen. Amen. Si nous sommes croyants, if we are believers, si nous suivons Jésus, if we follow Jesus, nous devons manifester l'amour du prochain tout le temps. Mettons dans nos cœurs tout ce que nous pouvons avoir. C'est pas pour nous. That all that we can have is not for us. C'est pour les autres. It's for the others. Tout ce que Dieu te donne, all that God gives, c'est pour que tu donnes aux autres. It's so that you can distribute to the others. Tout ce que tu peux avoir, all that you can have, c'est pas pour toi. It is not for you. Donc quand tu reçois, when you receive, pense à quelqu'un d'autre. Think of somebody else. Quand tu reçois, when you receive, pense à quelqu'un d'autre. Pense à someone, think of someone else. Ça, c'est l'amour du prochain. That's the love of the man. Et l'amour, c'est donner. And love is giving. Alors, Jésus voulait que cet homme, Jesus wanted this man, apprenne à vivre pour les autres. To learn to live for the others. Et il n'a pas compris ça. And he did not understand that. Amen. Amen. Il voulait vivre pour lui-même. He wanted to live for himself. Parce qu'il avait beaucoup de richesses. Because et il croyait great riches. Que c'était pour lui en fait. And he forced this riches for himself. Et nous aussi, we also, tout ce que nous avons, all that we have, donnons ça aux autres. Let us give to the others. Si nous avons des mauvaises choses, if we avec have nous, bad things with us, donnons ça à Satan. Let us give them il back est to pauvre, Satan. Il est pauvre, il a besoin de ça. He is poor, he needs those things. Amen. Amen. Si nous avons des bonnes choses, if we have good things, donnons ça aux croyants. Let us give them to the believers. Ceux qui sont comme nous. Those who are like c'est-à-dire ceux qui croient. Those who believe, si nous avons la bonté, donnons la bonté aux croyants. Donnons même aussi
à ceux qui ne croient pas. Let us also give to those who do not believe. Parce que c'est le bien qui change le mal. It is only what is good that can change what is bad. Amen. Amen. Si vous êtes bien, and if you are good, en face de vous, il y a le mal. And there is something facing you that is bad. Donnez ce bien mal. Give what is good. Amen. Vous voulez que ce mal qui est en face de vous va disparaître. So that what is facing you that is bad should disappear. Donc nous changeons le bien pour. And we exchange. C'est-à-dire pas le mal pour mal, mais mal pour bien. Amen. We exchange from good to bad. Amen. We give the good. Exactement. C'est-à-dire que si il y a le mal en face and de moi, see bad things facing us, je dois donner le bien. And we have to give what is good. C'est la seule façon de vaincre. That's the only way to overcome. On ne pourra jamais vaincre avec le mal, hein? Toujours avec le bien. With what is bad or c'est pourquoi donnons l'amour. Let us give love. Pas seulement avec les frères et sœurs, sisters, mais avec les gens qui nous combattent. With people that battle against us. Amen. Amen. Tous ceux qui sont contre nous, all those who are against aimons-les, prions pour eux, love them and donnons them. L'amour. C'est très and important. Si nous voulons voir Jésus un jour, want to see Jesus one day. Jésus a dit, viens et suis-moi. Jesus said, come and follow me. Alors, suivre la vie de Jésus, c'était quoi? How was it to follow the life of Jesus? C'était donner l'amour. It was to give love. Cet amour this love qui peut dire who can say pardonne-leur car ils ne savent pas them ce qu'ils sont en train de faire. What they are doing. Pendant qu'on a tenté de le mettre, les coups sur les mains, percés. Mais sa pensée c'est de demander pardon à Dieu pour ces gens-là. Ça, c'est donner l'amour. This is giving love. Et le véritable amour se donne dans le sacrifice. And the true love is given in sacrifice. Pas dans le bien. Pas not in abundance, dans la joie. Not in joy, mais c'est dans le sacrifice. Ça veut dire dans la souffrance. Means in the suffering. Amen. Amen. Tu souffres là. C'est and là que tu donnes l'amour. When you give life, c'est comme ça que Paul a été touché. That's how Paul was touched. Quand ils ont tué Étienne, when they were killing Stephen, Paul avait attrapé ses habits. And il avait Paul attrapé the les habits des gens qui tuaient Étienne. Killing, mais quand il voit Étienne, when he saw Stephen, dit, saying, je vois le ciel ouvert. I see the heaven open. Je vois le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Son of man sitting in the right hand of the Father. Oh, Seigneur Jésus, reçois mon âme. Say, Lord Jesus, receive my soul. Je donne mon esprit en tes mains. I leave my soul and my spirit in your hand. Pardonne ces hommes for qui me l'habitent. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. They do not know what they're doing. Ça avait marqué l'apôtre Paul. Paul. Il n'était pas encore croyant. He was not mais yet a believer. Ça avait marqué. But this touched him. Si bien que plus tard, so that later on, il s'est senti indigne. Comme il devenait croyant, il fait une déclaration. He made a declaration. Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Worthy to be called an apostle. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Church of God. Amen. Amen. Il a vu mourir Étienne. He saw Stephen dying. Mais Étienne n'a pas dit des paroles de malédiction. Étienne never cursed. C'était des paroles de bénédiction. It was just word of blessing. Demandez le pardon. Alors, ça se passait dans la souffrance. And this was happening when he was pendant qu'on le lapidait. While they were stoning him. Et là, il demande le pardon. And he asked for forgiveness. Vous pouvez voir ça dans Acte 7. C'est là où on voit cette histoire-là. Amen. Et ça, ça veut marquer l'apôtre Paul. Et ça, c'est notre vie. And this is our life. Notre vie, c'est amen. Donner l'amour. It's to give amen. Love. Amen. Amen. C'est souffrir pour les autres. It's to suffer for the others. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless you.